أعزائي طلاب وطالبات الصف الحادي عشر أدبي، أهلاً ومرحباً بكم في حلقة جديدة من حلقات اللغة الفرنسية. اليوم سوف نتابع الملف العاشر وسوف نتابع القواعد، ولكن تصريف les verbes pronominaux au passé composé. كل ذلك ولكن بعد فاصل قصير. أهلا بكم من جديد. Chers élèves, bonjour. On va continuer notre dossier 10 et on va étudier aujourd'hui la grammaire. Mais aujourd'hui, on va voir le passé composé des verbes pronominaux. On va faire un petit rappel des verbes pronominaux, mais au présent. Observez bien cette image. Qu'est-ce qu'il fait, le petit garçon? Il, aujourd'hui, Jean se lève à 7 heures. Aujourd'hui, c'est un indicateur de temps de présent. Aujourd'hui, Jean se lève. Donc, Jean, c'est le sujet de la phrase. Se lève, c'est un verbe, mais c'est un verbe pronominal, au présent. Jean-Pierre se lève à 7 heures. Comme vous voyez, le verbe est composé de pronom et de verbe. Comme vous voyez, le verbe « se lever », c'est un verbe pronominal. Pourquoi? Parce qu'il y a un pronom et le verbe devient « se lever ». Observez bien ce tableau. Nous avons le premier pronom. Premier pronom, « je »,« tu »,« il »,« elle »,« on »,« nous »,« vous »,« il » pluriel et « elle » pluriel. Donc, le premier pronom, ce sont les sujets de la phrase ou des phrases. Le verbe « se lever » composé de pronoms. Donc, le deuxième pronom, « se lever », le pronom change selon le sujet. Donc, si j'ai « je », ça devient « me ».« Tu »,« tu ».« Il »,« elle »,« on » au singulier. Donc, « il »,« se ». Elle se, on se. Nous, nous. Vous, vous. Il se au pluriel. Elle se au pluriel. Donc, maintenant, on va conjuguer le verbe se lever. Le sujet, c'est je. Le verbe devient je me lève. Le sujet, tu, tu. Te lève. Donc le verbe se lever est conjugué te, te lève. Il se lève. Elle se lève. On se lève. Nous, on parle maintenant du sujet nous. Nous nous levons. Vous, vous vous levez. Il se lève au pluriel. Elle se lève au pluriel. Donc, voilà la conjugaison du verbe se lever. Observez bien cette phrase. Hier matin, je me suis levée à 7 heures. C'est une phrase dans quel temps? Est-ce qu'on parle de présent? Est-ce qu'on parle de passé? Ou est-ce qu'on parle de futur? Bien sûr, on parle de passé. Comment? Pourquoi on parle de passé? Parce que hier matin, hier c'est un indicateur de temps de passé. Donc, hier matin, je me suis levée à 7 heures. Donc, je me suis levée, c'est un verbe, c'est le verbe se lever. Mais attention, conjugué au passé. Comme vous voyez, le sujet de cette phrase est je. Le verbe, le pronom de verbe « se lever » devient « me ». Pourquoi? Parce que le sujet est « je ». « Je me ». Et le verbe conjugué au passé composé, donc « suis ». C'est le verbe « être » au présent. Et « lever », c'est le participe passé. Donc, faites attention que le verbe pronominal est conjugué avec l'auxiliaire «
être. Hier matin, je me suis levée à 7 heures. Observez cette phrase. Ils se sont mis à table. Donc, le verbe « se mettre » à l'infinitif et le passé composé « se sont mis ». On va voir la conjugaison. Le sujet « il » au pluriel. Donc, le pronom « se ». Il se. Le verbe conjugué au passé, son c'est être au présent, mi c'est le participe passé. La phrase, ils se sont mis à table, donc le verbe se mettre au passé. Observez la phrase, je me suis amusé. Le sujet, je. Le verbe, c'est quel verbe? Bien sûr, s'amuser, c'est un verbe pronominal, conjugué au passé composé. Donc, s'amuse, le pronom de s'amuser devient je me. Pourquoi? Parce que le sujet est je, donc le pronom devient me. Je me suis amusé. On va voir, suis, qu'est-ce que c'est? Suis, c'est le verbe être au présent, donc c'est l'auxiliaire. Et amuser, c'est le participe passé du verbe s'amuser. Je me suis amusé, le verbe s'amuser. Hassan et Mouna se sont préparés pour revenir. Où se trouve le sujet dans cette phrase? Bien sûr, Hassan et Mouna. Le verbe se préparer, conjugué selon il, pluriel au passé composé. Donc, Hassan et Mouna, il au pluriel. Donc, se, sont, c'est le verbe être au présent. Donc, c'est l'auxiliaire. Préparer, c'est le participe passé. Très bien. Observez bien. Le verbe se lever, donc faites attention. Le verbe se lever, se mettre, s'amuser, se préparer et d'autres verbes, bien sûr. Comment on peut conjuguer ces verbes? Les verbes pronominaux ou passé composé se conjuguent toujours avec l'auxiliaire être, donc faites attention. Quand j'ai un verbe pronominal, et je dois conjuguer ce verbe au passé, ça prend toujours le verbe être comme auxiliaire. Donc, maintenant, on va conjuguer le verbe se mettre au passé composé. On va voir. Je me suis mis. Donc, si je, c'est Hassan qui parle de lui, donc Hassan, il va dire je me suis mis. Mais si c'est Mouna, elle va dire « je me suis mise » avec un « e ». On doit faire l'accord avec le sujet. Donc, Mouna, c'est un sujet féminin et elle parle d'elle-même. On va rajouter le « e ». Donc, Mouna, elle dit « je me suis mise ». Tu t'es mis. Si c'est Hassan, si je parle à Hassan, je lui dis « tu t'es mis ». Mais si je parle à Mouna, je vais dire « tu t'es mise ». L'accord de « e » parce que c'est « Mouna ». Je parle à Mouna. « Il », c'est Hassan, je parle de Hassan. « Il s'est mis ». Mais si je parle de Mouna, je vais dire « elle s'est mise » avec l'accord. « Nous, nous sommes mis ». Donc là, on passe de pluriel. On doit rajouter le « s ». Mais faites attention. « Nous, nous sommes mis ». Le participe passé de verbe mettre, c'est mis avec un S. Donc, je ne rajoute rien de tout. Mais si je parle de nous, et c'est moi, avec Mouna, Brigitte, Amel et d'autres filles, donc, nous allons dire, nous nous sommes mises féminin. Le E et le S parce qu'on parle de pluriel. Vous, vous êtes mis, si je m'adresse à un groupe, à Hassan, à Mohamed. Donc, c'est masculin, pluriel. Je vais leur dire, vous vous êtes mis. Mais si je m'adresse à
Brigitte, Amona et Amel, donc c'est féminin. Je veux leur dire, vous vous êtes mises E, l'accord de féminin, et S, parce que c'est pluriel. Ils se sont mis, si je parle de Hassan et de Jean-Pierre, et si je parle de Mona et de Brigitte, je veux dire, elles se sont mises E, féminin, et S, pluriel. Observez l'image. Le garçon s'est mis à côté de sa grand-mère. Le garçon, donc, c'est le sujet « il s'est mis », le participe passé avec un « s », donc je ne mets rien de tout, comme il est. Le garçon s'est mis à côté de sa grand-mère. Tu conjugues les verbes entre parenthèses au passé composé. 1. Hier, Rim se levait tard. Donc, on doit conjuguer le verbe se lever au passé composé avec quel sujet? Rim. Donc, Rim, c'est on le remplace par quoi? Par elle. Elle singulier. Donc, elle, c'est féminin. Réfléchissez bien. Très bien. Hier, Rim s'est levé. Je rajoute un E parce que je parle de rime féminin. Hier, Rim s'est levé tard. 2. Il se promenait au jardin. Donc, on conjugue le verbe se promener avec il au pluriel. Donc, très bien. Ils se sont promenés au jardin. Je rajoute un S. Pourquoi? Parce que le sujet est au pluriel. 3. Je se préparais pour l'école. Je conjugue le verbe se préparer avec quel sujet? Je. Donc, la phrase, le verbe devient je me suis préparé pour l'école. C'est la phrase. Je me suis préparé pour l'école. Et si je parle de moi ou Mona, elle parle d'elle, ça va devenir « je me suis préparée » avec un « e » parce que c'est Mona qui parle. 4. Te se réveiller à quelle heure? Conjuguez le verbe « se réveiller » avec le sujet « te ». Le verbe devient « t'es réveillé ». Donc, « tu t'es réveillé à quelle heure ?» On continue. Tu complètes le tableau suivant. On conjugue le verbe, les verbes se lever, se coucher selon les sujets. Une fois je, une fois nous. On va voir. Le verbe se lever. On conjugue ce verbe au passé composé avec je. Donc, je me suis levé. Donc, le verbe se coucher avec je devient je me suis couché. Sujet. Pronom est le verbe, auxiliaire est le participe passé. Le verbe se lever avec nous, ça devient très bien. Nous nous sommes levés. Faites attention, nous, on parle de pluriel. Donc le participe passé avec un S, l'accord. Et le verbe se coucher, conjugué avec nous, nous nous sommes couchés. Ouvrez le cahier d'activité page 125, 126 et 127. Tu observes les verbes puis tu les classes avec l'auxiliaire être ou avoir. Donc, verbe visiter, acheter, s'asseoir, monter, se promener, faire, sortir, se dépêcher, rentrer, choisir. Le verbe, par exemple, visiter, donc visiter, ER, c'est un verbe de premier groupe, c'est un verbe à l'infinitif. Et le verbe visiter se conjugue avec l'auxiliaire avoir au passé composé. Le participe passé de ce verbe, c'est visiter, avec E accent. On va voir d'autres exemples. Le verbe acheter. Très bien, c'est un verbe de premier groupe qui, à l'infinitif, c'est acheter, qui se conjugue avec l'auxiliaire avoir et son participe passé, acheter. D'accord?
S'asseoir. Est-ce que c'est un verbe prend quel auxiliaire? Avoir ou être? Très bien. S'asseoir, c'est un verbe à l'infinitif, mais faites attention. C'est un verbe pronominal. Donc, ça se conjugue avec être. Le participe passé, bien sûr, assis. Monter, c'est un verbe à l'infinitif. Ça prend avoir ou être. Très bien. Monter, c'est un verbe à l'infinitif. Et le participe passé, monter. Et bien sûr, son auxiliaire, c'est le verbe être. Se promener, on le conjugue avec l'auxiliaire être et son participe passé, promener. Faire, très bien. Faire, c'est un verbe à l'infinitif, se conjugue avec l'auxiliaire avoir et son participe passé, fait. Sortir, très bien. Avec être comme auxiliaire et son participe passé, sorti. Se dépêcher, être ou avoir, très bien. Donc, se dépêcher se conjugue avec l'auxiliaire être et son participe passé, dépêcher. Le verbe rentrer, très bien. C'est un verbe avec être comme auxiliaire et son participe passé, rentrer. Et à la fin, le verbe choisir, très bien. C'est un verbe qui se conjugue avec l'auxiliaire avoir et son participe passé, choisi. D'après l'exercice B, tu choisis 5 verbes et tu mets chacun dans une phrase. On va voir. Nous avons choisi le verbe rentrer. La phrase, hier soir, mon père est rentré tard. Deuxième phrase, Nada s'est promenée au bord de la mer. Le verbe se promener. 3. Nous sommes montés par l'escalier. Le verbe monter. 4. Jeudi dernier, j'ai fait mes achats. Donc le verbe faire. 5. Les enfants ont choisi des glaces. Le verbe choisir. On passe maintenant à notre exercice. Tu fais des phrases avec les aliments donnés. Voilà, nous avons 4 listes. Sujet, les verbes et les compléments. On va commencer l'exercice. Ma sœur va avoir un test de géographie. Donc, ma sœur va avoir un test de géographie. Deuxième phrase. Les pantalons. Donc, les pantalons, c'est « i » le pluriel. Les pantalons sont en pur coton noir. Très bien. Les pantalons sont en pur coton noir. Phrase numéro 3. Les enfants, pluriel, les enfants ont joué du piano à l'école. Donc, les enfants ont joué du piano à l'école. 4. Tu préfères prendre un jus ou un café. Donc, tu préfères prendre un jus ou un café. Je ne peux pas aller au parc le week-end. La phrase, je ne peux pas aller au parc le week-end. Tu conjugues les verbes au passé composé. Le verbe se lever, on le conjugue au passé. Donc, hier, je me suis levé tard. Et on a mis l'accord E si c'est Mona qui parle. Se promener. Ils se sont promenés au jardin. Faites attention, on a mis l'accord S parce que ils au pluriel. Se préparer. Tu pour l'école. Donc, tu t'es préparé pour l'école. Maintenant, on passe voir les adjectifs indéfinis. Observez bien. Les adjectifs indéfinis, par exemple, tout le monde est content. Observez bien. Le monde, c'est un nom masculin. Donc,
comment on connaît que c'est masculin, singulier bien sûr, parce que le monde est content. L'adjectif indéfini devient tout. Pourquoi? Parce que tout est un adjectif indéfini, masculin, singulier. Tout le monde est content. Deuxième phrase. Toute la famille est là. La famille, c'est un nom féminin singulier. Donc, son adjectif indéfini est toute avec un E. 3. Tous les enfants sont beaux. Observez bien. Les enfants, c'est au pluriel, très bien. Mais enfant, c'est un nom masculin ou féminin? Observez bien, beau. Donc, beau, c'est l'adjectif masculin. Donc, c'est toujours au masculin. Les enfants sont beaux, masculin, pluriel. Son adjectif indéfini devient tout avec un S. Toutes les maisons sont grandes. Les maisons, bien sûr, c'est au pluriel. Parce que les maisons avec un S. Mais maison, c'est un nom féminin ou masculin. Observez bien. Grande. Donc, c'est féminin. Très bien. Son adjectif indéfini, c'est toute. E, parce que c'est féminin. S, parce que c'est au pluriel. Les adjectifs indéfinis, voilà la règle. Donc, le masculin, c'est tout, singulier, tout et féminin. Donc, au singulier, quand je parle d'un nom masculin, c'est tout. Quand le mot est féminin, tout. Pluriel, c'est masculin, tout avec un S, féminin, tout. Donc, je rajoute un S. Tu choisis la bonne forme. J'ai invité mes amis de classe à la fête. On va choisir l'adjectif indéfini. Mes amis, c'est singulier ou pluriel? Pluriel. Mes amis, mes amis. Amis, c'est un nom masculin ou féminin? Bien sûr, masculin. Donc, tout. J'ai invité tous mes amis de classe à la fête. 2. Jassim a mangé le gâteau hier. Bien sûr, Jassim a mangé tout le gâteau hier. 3. La classe est absente aujourd'hui. Toute la classe est absente aujourd'hui. 4. J'ai envoyé les cartes. J'ai envoyé toutes les cartes. Ouvrez le cahier d'activité, page 126. Tu complètes avec l'adjectif indéfini. Tout, toutes, tout avec S et tout au pluriel. 1. Oui, monsieur, voilà mes valises. Très bien. Voilà toutes mes valises. 2. Pendant cette visite, il a rencontré ses amis. Très bien, il a rencontré tous ses amis. 3. J'ai aimé les monuments de cette ville. Donc, j'ai aimé tous les monuments de cette ville. 4. Mon père a lu le journal. Très bien, a lu tout le journal. 5. Pourquoi ces vêtements? Pourquoi tous ces vêtements? 6. Nous avons été en vacances la semaine dernière. Donc, nous avons été en vacances toute la semaine dernière. وصلنا إلى نهاية حلقة اليوم وتم التعرف على تصريف les verbes pronominaux au passé composé et les adjectifs indéfinis. نراكم في حلقة قادمة بإذن الله. Merci et à très bientôt.